Ce livre procède d'une trilogie que je prépare depuis nombre d'années. Le premier volume de cette trilogie, qui s'intitule Le handicap au risque des cultures, est consacré à la perception du handicap, les pratiques dans 20 pays des 5 continents. Le livre dont nous parlons aujourd'hui, deuxième volume, s'intéresse, lui, aux cultures régionales de notre hexagone. Et enfin, le troisième volume que je prépare pour septembre 2016 proposera également une investigation anthropologique dans 20 autres pays qui ne figurent pas dans le premier volume. Cette trilogie est portée par l'idée suivante. On ne peut pas interpréter le handicap, le comprendre, comprendre les représentations auxquelles il donne lieu, on ne peut pas comprendre les pratiques qui en découlent, sans resituer cet événement humain dans un sol culturel donné, donc dans une époque donnée. Et cet ouvrage-là, c'est un ouvrage qui interroge les manières de concevoir le handicap dans les communautés humaines de nos devanciers. Ce qui apparaît, et là aussi ce qui sort de la singularité pour venir dans l'universel, c'est qu'on retrouve toujours la même fuite chez les humains, quel que soit le temps et quels que soient les lieux, devant leurs conditions humaines. Et il y a des manières de fuir, je crois, cette réalité humaine qui est le handicap. C'est une fuite dans l'imaginaire. C'est pour cela que j'en viens à considérer l'imaginaire comme un antidestin. C'est-à-dire l'idée que les hommes confrontés à cette fragilité qui prend pour nom handicap ici, imaginent, créent, fantasment, sans considérer, sans parvenir à considérer que le handicap est immanent au vivant, à tout le règne vivant, qu'il soit végétal, qu'il soit animal ou qu'il soit humain. Et cette fuite dans l'imaginaire, c'est ce qui unifie l'ensemble des cultures auxquelles je me suis intéressé, et j'ai envie de dire bien au-delà, l'ensemble de l'humanité. Alors les singularités régionales, et c'est ce qui m'a beaucoup intéressé, au-delà du commun, hein, existent, c'est évident. Donc il y a des focalisations selon les régions, à partir de croyances, de représentations, de rumeurs collectives. Ce qui m'amène à penser que les représentations emportent, agissent comme un tourbillon, de manière métaphorique, qui finit par emporter la raison. Mais ce tourbillon, même s'il a du commun, il diffère selon des croyances régionales. Ce livre est l'occasion également de définir les contours d'une anthropologie du handicap, que je conçois comme un travail, une recherche sur les interprétations du handicap selon des temps, des lieux, des cultures et des sociétés. Mais cette recherche me paraît procéder de trois niveaux. Ce qui se pense dans un lieu, un temps, une culture donnée, une société donnée, c'est-à-dire des mots, des concepts, un sens donné à cette réalité humaine que l'on appelle handicap. Mais également ce qui se vit selon ce temps, ce lieu, cette culture, c'est-à-dire les réalités existentielles des personnes touchées, mais également les interactions entre ceux qui vivent le handicap et ceux qui ne le vivent pas. Et enfin, un troisième niveau qui renvoie à ce qui s'organise selon les sociétés, selon les cultures, c'est-à-dire des rituels, des coutumes, des structures. Donc voilà pour moi l'essence de ce que je conçois comme une anthropologie du handicap. Et cette anthropologie du handicap, je l'ai mis à l'épreuve, je l'ai dit tout à l'heure dans cette trilogie, à la fois de cultures hors frontières et puis les cultures qui constituent la culture française. Notre culture est tramée également de cultures régionales originales. Il ne s'agit pas de contester l'unité culturelle, ce n'est pas ça. Il convient de remettre en cause peut-être des visions trop monolithiques. Et en matière du handicap, il y a des spécificités
selon des lieux plus ou moins ruraux, qui viennent tisser notre imaginaire, qui est finalement un imaginaire métissé. Mestres azuis.